Le 14 mai dernier, le gouvernement français concrétisait une nouvelle offensive lancée dès janvier contre le peuple kanak. Après des mois de mobilisation pacifique de ce peuple, le vote du dégel du corps électoral constitue une nouvelle provocation et confirme la recolonisation du territoire amorcée depuis 2021. C'est une obligation morale pour ceux qui croient en la démocratie. Face à la révolte, comme par le passé, l'État français pratique une politique de répression féroce. Darmanin a taxé les militants et militantes indépendantistes de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, de voyous, de mafieux, non politiques, procédés rodés des États impérialistes pour criminaliser et disqualifier les colonisés. Mais la mobilisation en Kanaky est populaire. Des grèves dans plusieurs secteurs et des opérations de barrages filtrants ont paralysé le pays. Le mouvement est particulièrement fort dans la jeunesse qui se mobilise depuis plusieurs semaines contre cette nouvelle dépossession coloniale, mais aussi contre les discriminations racistes et sociales quotidienne. Il faut comprendre que pour l'État français, renoncer à sa colonie, c'est renoncer à 30% des ressources mondiales de nickel, aux ressources maritimes et à la position géostratégique du territoire pour assurer ses opérations militaires. Aussi, quand les manipulations démocratiques ne passent pas, c'est la répression juridique et policière. Couvre-feu, état d'urgence, répression dans le sang, vague d'arrestations, c'est le vrai visage de l'État colonial qui a déployé un important dispositif de gendarmes, de CRS, du GIGN, du RAID, relayé sur place par les milices loyalistes, caldoches. Il faut également démonter le discours colonial qui domine dans les médias et ne donne la parole qu'aux colons, mais jamais aux Kanaks. Au XXIe siècle, c'est franchement la honte. Des mobilisations à l'initiative du collectif Solidarité Kanaky, dont nous sommes partie prenante, sont organisées un peu partout. L'ensemble du mouvement social et de la jeunesse doit se solidariser avec le peuple kanak pour peser sur notre propre impérialisme. Nous exigeons le retrait du projet de loi sur le dégel du corps électoral, la libération des prisonniers politiques, l'abandon des poursuites pour les inculpés et avant tout, le respect du droit à l'autodétermination du peuple kanak avec l'ouverture de discussions pour un processus de décolonisation. Nous appelons à participer à toutes les actions de solidarité, rassemblement et manifestation en soutien avec la lutte du peuple kanak. La lutte des kanaks est celle de tous les peuples colonisés et opprimés dans le monde. Vive la Kanaky libre !